Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir. Et on se retrouve donc pour récupérer de notre dernière guerre, enfin récupérer c'est un bien grand mot. Hop là, je crois qu'on se prépare éventuellement à attaquer Pasai et donc à aller fighter les Ottomans et compagnie. Ça peut se faire, on peut organiser ça, ouais tout à fait. Donc du coup je vais commencer à poser mes troupes. Mais oui, on peut faire ça, je peux les appeler. On peut faire ça, ouais. Ah, il y avait 37 000 rebelles, tiens, ici. On va vite fait les défoncer. Ici, on a 40 000 hommes. Ils vont aller à Hormuz. Si tu veux commencer à envoyer des troupes sur mon terrain, fais-toi plaisir. Oui, c'est vrai que ça sert à rien que je concentre toutes mes troupes à Passaï, ça ne sert à rien. Ah ouais, alors après moi je veux bien me faire les Ottomans et les Mamelouks tout seul, hein, ça pourrait passer, mais je garantis non. pas que ça va être ouf non, niveau score de guerre quoi. Non, j'y pensais même pas, mais... J'ai plein de troupes bloquées sur la grande horde, bon enfin tu me diras, elles pourront se répandre sur les Ottomans de là. Ah, on a des mecs qui sont soulevés, ok. Vous avez pas arrêté de vous entraîner vous? C'est qui que j'ai demandé d'arrêter de s'entraîner? Merde. Je fais de la merde moi je crois. Récolte abondante, ton père en karma, on gagne en karma, on gagne en karma. La vache, on a du blé là, mais genre beaucoup de blé. Une commerciale de Venise, on s'en tamponne là. Le coquillard, mais grave. On n'avait pas d'efforts à améliorer, hein. Je crois que non, on est bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le commerce de Lhasa, hein, le très grand centre commercial de Lhasa, bien connu. Ici. Oh non, un diplomate du Ming a été découvert. Bon, allons nous occuper là. Ah merde, on a de la corruption. Bon, la Transoxiane est étrangement en train de ne pas trop perdre face aux Ottomans, à mon avis ça va pas durer. Bon là j'attaque, mais c'est un fort donc c'est parfait ceux qui ont le terrain. Alors où est-ce qu'il y avait une autre rébellion? J'ai oublié, je pouvais faire de la marche forcée, c'est mieux. Exact. Marche forcée gratuite. Ça c'est beau. Ces 4000 hommes là, je sais pas ce qu'on en fout, ils vont aller là-bas, allez hop. Je me demande ce que ça fait le berceau de la révolution quand même. Un jour, faudra que j'essaie de jouer une faction qui fait la révolution. C'est comme une faction en bas là, comme l'Empire et l'Empereur de Chine et le Saint-Empire romain. Mais il n'y a pas de points quand on clique dessus, ça fait rien de particulier. Bah après, je pense que si tu veux le voir assez rapidement survoler, tu lances une partie en fin de partie avec la France révolutionnaire, oui, juste pour cliquer sur le menu. Ça permet, je pense. De là, ouais, exact. Juste pour voir, hein, bien sûr. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là les Mamelouks là? Ils sont en guerre contre qui les Mamelouks? Parce que c'est l'autoroute là. Qu'est-ce qu'ils branlent là? En guerre. Ah oui, ils sont en guerre aux côtés de la Transoxiane, ok. Bah du coup arrêtez de vous entraîner les gars parce qu'il y a un peu 10 000 potentiels ennemis qui se baladent sur vous. N'est-ce pas? Alors là on a une marée Khmer qui arrive. C'est à peu près ça, ouais. Enfin encore que tu m'as pas envoyé tant d'hommes hein, au final. J'envoie 5 ou 6 régiments quand même hein. Ah ouais, normalement. J'en vois 4. Attends, il y en a un qui a pas parti alors. Normalement j'en ai 5 sur le continent, je les envoie tous. Ouais, il y en a un cinquième qui est pas venu. De toute façon, je sens bien qu'il va faire le tour par la Russie, l'Ottoman. Ah non, on a été découvert en Transoxiane. Ah, petite réduction de vitesse. Ah, on a trop de points. La vache, trop de points admin et trop de points militaires quoi. J'enlève pas la pause. J'allais venir en marche forcée avec ma dernière armée, mais en fait en bateau directement à Siraf, ça me paraît encore mieux. Ils sont pourris les états que je peux faire, c'est misérable. Qu'est-ce que je peux faire de ces points du coup? On a 3 de stab, il y a des rébellions peut-être. Ouais. Allez, on va dépenser 200 points là. 5 régiments, ça devrait être pas mal déjà. Oui, bah ça plus les miens, je pense que. Voilà. De toute façon, enfin, il y a même pas de. Je pense, on va les défoncer. Je pense et j'espère.
Voilà, ça c'est fait. Les points, c'est bon. Bah, tu peux enlever la pause si tu veux. C'est fait. On a que 3 commandants. Bah, du coup, on va profiter de nos points pour en prendre un autre, j'ai envie de dire. Hop là, on voit. Il est pas ouf, mais il fera le taf. Ici. Ah, mais si, il y a bien 18 000 hommes là-bas. Allez vous occuper de ça, vous. Vous serez gentils. Bon, en attendant, on intègre tranquillement le Maroir. Pas de stress. Putain, ça nous coûte que 3 par mois. On a une réputation diplomatique toute pourrave. Mais alors, toute pourrave. On peut pas faire mieux. Eh ben. Ah non, on a perdu un maître instructeur. Qu'est-ce qu'on a? Bah de la merde. Bon, du coup, on va prendre de la merde. Hein. Qu'est-ce que vous dites, hein? Allez, c'est parti pour les conversions. Là j'ai des troupes. Ouais, puis du coup j'ai des rébellions. Ouais, c'est le truc chiant, c'est que j'ai des rébellions du coup. Ah, la guerre est terminée. Donc du coup, à mon avis, là, l'Ottoman et le Mamelouk vont venir. Hein. Alors que vu qu'ils étaient en guerre l'un contre l'autre, ils pouvaient pas venir tous les deux. Là, ils vont devoir y aller tous les deux, je pense. Voir cela. Attends, ici, on a tellement de troupes ici, quoi. Qui sont toutes paumées. Bon bah sinon c'est quand tu veux hein. Attends, j'ai des rébellions à gérer. Oui je suis con, on a plein de missionnaires, faut qu'on les envoie tous. Hop, voilà, plein de provinces légitimes. Ils vont où eux? Ah ils vont nulle part. On est trop nombreux là les gars. Vous êtes gentil, vous allez vous casser. J'aime ce petit effet de la flèche qui franchit les montagnes. Alors, est-ce qu'on n'a pas des états sympatoches du coup? Merde. Eh hey, mais faut que tu fasses quelque chose contre tes rebelles, Marwar, là. C'est n'importe quoi, là. Ça suffit les conneries. Bon, tu me dis hein quand. Ouais, attends, parce que j'ai un désastre imminent là, donc. Oui, bah c'est les marchands, ok. Attends. Ah ouais, comme ça. Genre, hop là, le petit désastre quoi, c'est cadeau. Ouais, alors c'est quoi ça? Il faut que l'influence des marchands soit inférieure à 80. Oui, ça on fait ça. Ça et les rebelles. Alors, les nobles. Comment je peux faire là? Attends, putain, je suis perdu. Oui, alors, ok. 3000, oui. On en envoie 35000 là-bas. On prend ça. On les met dans le bateau. Hop. Et on les envoie gérer les rebelles. Ici, parce que j'ai des rebelles du Ming là qui sont en train de me piquer tous mes territoires chez moi, comme j'ai plus d'armée. Ah bah présente. Oui, ouais. Mieux vaut laisser une armée derrière, effectivement. Et il faut que je baisse l'influence des marchands. Alors, je leur enlève des territoires, ça devrait être des. Tu veux mettre pause le temps de gérer en ton temps. Hein. Non, ça devrait aller. Comme ça en même temps, j'ai des déplacements qui se font. Cela dit, on lag là? Non, c'est bon, ça augmente. Je baisse leur influence. Je crois que si je leur enlève des territoires. Bah, si tu leur enlèves des territoires, ils gueulent un peu, mais si t'as ce qu'il faut.
Alors au niveau de la flotte, on va la ramener par là peut-être. Elle est pas ouf notre flotte, mais elle fera le taf. Et il nous manque plein de gens. Genre plein de gens. Ouais, bah ils vont gueuler un peu, et puis c'est tout, je vais avoir un peu de corruption, c'est pas très grave. Ah, là, on retourne ici. Timor occidental, je vais avoir une rébellion, ouais, ouais bah, de toute façon. Politique, là, qui serait intéressante. Voilà, réputation diplomatique plus 1, c'est pas mal ça. Hop, on prend ça. Une petite politique. On s'en fout. On choque de commandant en beau. Ouais. Ça ira. Ah, on peut prendre une aptitude. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste que ça. C'est parti. Ouais, ça va être vite vu du coup. Alors, ça c'est quoi? Les révolutionnaires Biapassi. Ah, il y a une révolution au Biapass. Voyez-vous ça? C'est toujours un royaume. Bon, je pense qu'elle va se faire défoncer la révolution. Oh la vache, oui, mais tellement. Ça me fait presque mal pour les révolutionnaires. Fabriquer une revendication faite à 35, non. Voilà, j'ai une nouvelle rébellion. On a complètement changé nos troupes. J'aimais bien quand on avait le petit sable dans le dos, c'était classe. Ok. Bon, pas de soucis. On n'a pas eu de charbon, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu avoir un petit peu de charbon. Cette armée-là, elle peut peut-être se pointer, non? Non. Hop. Juste le temps que je gère ces petits rebelles. Et ça devrait être bon. Mais écoute, prends ton temps. Hein. Ça a pété un peu partout. Bah en fait, c'est le problème, c'est que j'ai galéré. Là, je suis obligé de ramener un peu les armées qui sont sur l'Elysée avec les bateaux, un coup sur le continent, un coup non. Bah ouais, peut-être qu'effectivement, il va falloir investir dans une flotte encore plus grosse. Mais non, mais je suis con, je peux refaire un... Je peux aussi... Hop, ça c'est bien. Je peux aussi tout simplement... Attends, j'ai de quoi... J'ai 304 sur 431, je peux peut-être juste refaire une armée en fait, ou deux même. Pourquoi s'emmerder, j'ai envie de dire. Pourquoi s'emmerder, j'en fais une ou deux armées sur le continent en garnison, et puis voilà, c'est réglé. Hop, les conversions, c'est parti. Je devrais peut-être faire les trucs qui demandent... Attends, on a 121% d'unités religieuses, quoi, franchement. Pourquoi on se fait chier avec des conversions? Ouais, moi je le fais aussi, je convertis pour le principe quoi. Mais... Ah bah oui, c'est quand même plus propre. C'est quand même beaucoup plus propre. Ici, on va beaucoup dépasser, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en tamponne. On va se faire un petit régiment de mercenaires ici pour tenir l'arrière-pays. Mais c'est un fort level 4 ce truc. C'est un vrai scandale. Tu sers à quoi d'ailleurs fort hein? Pas grand chose hein, techniquement. Tu me protèges des Khmers. Ouais, ok. Pourquoi pas. Bon, tu sers à rien. Casse-toi. Alors... marine marchande... Progrès des nobles, ok. Non, on va prendre ça. Il y a des gens qui se rebellent. Ah bah visiblement ça devait être sous mes pieds parce que j'ai eu instantanément le message de fin. Allez, c'est parti, ici. Vous, on vous recrute quelques troupes. C'est parti. Un soulèvement. Quelle horreur. Une pression implacable. Allez, on commence à être un petit peu juste en point. Hein? Mmh.
pour se rapprocher de Passaï, histoire de les de préparer au moins deux armées et pouvoir les envahir à une vitesse. Ils auront même pas le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Notre diplomate, il revient, c'est bon. On est même, franchement, on est même plus dans un moment où on s'intéresse au fait d'avoir des revendications, quoi. Réforme militaire. Oh, c'est pas mal, ça. Clairement, gain de 200 points de puissance diplomatique. Oula, attends. Oh, ça, on s'en fout. Ok. Alors, attends, parce que j'en suis où, moi, de technologie militaire. Alors, je peux gagner 200 points de puissance militaire, 2% de professionnalisme. Et pendant 10 ans, morale terrestre plus 20, coût des technologies militaires moins 10. Sympa. Bah, vu d'ici, ça a l'air plutôt pas mal. Ou la même chose en naval. Et là, je gagne 200 points de puissance diplomatique. Ouais, je prends le militaire. Ou alors un peu des deux. On va prendre un peu des deux. Allez, hop. C'est bon. Donc, tac, toi, tu vas venir là. Là même, pour bien préparer l'invasion. Bon, écoute, ça va être bon. Je vais juste reformer une deuxième modèle d'armée au nord, là. Voilà. Pas de raison. Un autre petit général pour ici. Non, c'est pas nécessaire. Je préfère les laisser avec les Ottomans. On a Machad, le centre religieux de Machad. Bon bah écoute, où commençons mes troupes vers chez toi, un petit peu disséminées. Je vais peut-être les rapprocher un petit peu. Bah, de toute façon, il va y avoir des troupes qui vont se barrer au nord vers les Ottomans et d'autres qui vont se répandre sur les Mamelouks. On peut traverser le Biapas, hein, c'est un tributaire, donc il peut complètement me lâcher un accès militaire si on lui demande. Ah, je pourrais... Ouais. Tu vas... Ton armée, là, qui est sur ta petite île d'Ormuz, tu vas la mettre sur Cassimi et passer par là, ou non, tu la laisses en blocus? Ah non, elle va descendre. D'ailleurs, on peut mettre 40 000 personnes ici, donc on va complètement... D'accord, ok. Non, elle y va. Farce, ça va être un allié des Ottomans, mais il va pas les rejoindre. Non. Donc je pourrais pas le passer par chez lui, du coup. Enfin, peut-être pas. Faudra faire le tour des... de la montagne de Zagros, là. Et puis débarquer chez les Mamelouks, comme ça. Après, je laisserai une armée, je pense, dans le coin, parce qu'il est très probable que les Ottomans lui donnent l'accès militaire. Enfin, que les Ottomans demandent l'accès militaire, plutôt. C'est ça. Alors, par contre, je peux pas... si j'invite les Ottomans, ça rajoute trop de monde. Ça rajoute Fars et Djéné. Fars, à la limite, ouais. Et Djéné, on remarque que... Ah si, Djéné, c'est gros, quand même. Bah, c'est loin, mais c'est gros. Mais... Tu sais, pour prendre plus facilement du territoire, on peut les appeler en co-belligérants, mais ça fait du monde. Pas farce encore, ça va se prendre en 3 secondes. Ouais, ça, c'est peut-être pas... Djéné, je sais pas trop. Djéné et Passaï, Djéné. Djéné, c'est par là, non? C'est où Djéné? Djéné, c'est tout à gauche, tout à l'ouest de l'Afrique. Le gros truc à l'ouest. Ah oui, enfin, c'était trop gros, je le voyais pas. ouais, ça fait un peu de monde quand même. Ah merde, on est fou, ouais, point. De faire du bateau et tout. Ok, et ben... On pourrait commencer notre nouvelle doctrine. Bah ouais. N'enlève pas la pause dans la foulée. Non, je peux pas déclarer la guerre dans la foulée. Ouais, bientôt. J'ai un truc à améliorer, là. Tiens, toi. Et en même temps, je vais annexer Dali. Voilà. Encore des points à dépenser. Tiens, il y a de l'ivoire là, c'est pas mal ça. Le MiG est encore 4ème puissance mondiale quand même. Ouais, mais on doit être tellement devant. Ah, la République des Nations est pas si loin. Ouais, le MiG est pas si loin non plus, cela dit. Je pensais qu'on était beaucoup plus loin devant. Ouais, non, pas tant que ça. Bah écoute, c'est quand tu veux. Ouais, juste le temps que mon diplomate revienne. C'est fait. Passaï. Off d'alliance, il me dirait oui, alors non, c'est pas ça que je vais te demander. Ah, l'Ottoman ne rejoindra pas la guerre. Oh, c'est tellement triste. Pourquoi? Il a trop de lassitude, peut-être? Non, il a 8500 pièces d'or de dette. Ah oui, effectivement, ça joue. Donc après le Mamelouk, si on l'appelle, il a des alliés, j'imagine. Le Yémen, la Transoxiane, Ajuran.
Ah bah la transoxiane, moi je suis pas contre, hein, si elle vient. Non, non, mais je regarde ce qu'il a. Il a le Yémen aussi. Le Yémen, ça fait partie des trucs que j'avais envie de vassaliser, donc à la limite on peut l'écraser. Et Ajouran, c'est ce qui est en dessous. Bah je peux appeler le Mamelouk si tu veux, ça va se marrer un petit peu comme ça. Ouais, ça fera un petit peu de challenge vu, pour la fin. Là. Vu que l'Ottoman ne vient pas, on peut contrebalancer, on peut se permettre du coup. C'est ça, complètement. Puis j'ai mes armées bloquées en grande horde là. Je comptais un peu sur la guerre avec les Ottomans pour les sortir de là, donc du coup la guerre avec la Transoxiane, ça le fait. Hein. C'est et bah, parti. Parfait. C'est parti, ouais, je programme mes déplacements, donc Fars non. Ah oui, non. Ouais, faut qu'ils rejoignent d'abord, ouais. Tac, c'est tac, tac. Parti, donc là on va avoir un fight de bateau direct. La Transoxiane ah, a rejoint. La Transoxiane n'a pas rejoint pour l'instant. Et le Biapas, c'est un tributaire à toi. Et ouais, pour moi, il a pas rejoint. Attends, non, il faut que je lui demande l'accès militaire, il rejoint pas. Je récupère ah, un diplomate oui. Et je fais ça tout de suite. Vas-y. J'ai oublié ce détail, c'est pas un vassal, j'ai pas automatiquement l'accès. Regarde, je suis bloqué par les bateaux de de Passage. Il n'y a pas besoin de disposer de l'accès militaire. Bah oui, mais alors... Quoique. Ah, je peux passer, moi. Et toi, tu peux pas. Donc c'est toi qui dois lui demander un accès. Merde, c'est très con, ça. Est-ce attends. Que... Pas grave, je vais le faire, j'ai largement de quoi faire, s'il accepte. Ouais, ça y est, la Transoxiane a rejoint, parfait. Alors c'est parti les mecs. Donc il accepte. Attends, je vais juste remettre lecture et je vais remettre un coup de pause parce que le problème c'est qu'il faut que je gère un peu tous les côtés moi. Ouais, bah pour une fois, hein, ça change. Ouais. Ça. Pardon. Je vais m'occuper de la Transoxiane en speed. Alors, Fars non, j'aimerais donc bien ça, ouais. Si on s'attache, j'aimerais bien un commandant quand même dans le coin. Alors le seul, en fait le problème c'est, ouais, j'aurais dû ramener mes bateaux de transport, on les aurait laissés dans le golfe Persique. Et en fait on aurait pu faire du débarquement, à moins que par tes bateaux on puisse le faire peut-être. Voilà pour moi t'es en combat, mais si tu les mets dans le golfe Persique, je pense que mes troupes qui sont là, parce que ça va être trop chargé, elles devraient pouvoir utiliser tes bateaux pour débarquer en plein sur ces côtes. C'est possible. Parce que j'ai trop de troupes pour passer, c'est super galère pour passer chez lui. Hein. Normalement, ouais voilà, la bataille navale devrait être... Alors, permettre aux alliés d'embarquer, interdire le transport. Non. Non, on autorise le transport. Une rébellion. Attends, j'avais une armée pour popper là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes 42 000, vous occupez de ces cons. On a 30 000 mamelouks qui me sautent dessus. Bah du coup, on a 30 000 mamelouks qui vont décéder. Je crois Par que, exemple. Je crois qu'il faut dire les choses. Ah du coup il nous empêche de passer l'autre. Bah non j'ai plutôt. Ah bah non il nous empêche pas de passer. Ah non il débarque hein. Non il débarque pas mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Je vais choper la flotte du Yémen hein, en speed. Ok donc là on l'a défoncé. On s'arrête même pas. On continue notre chemin quoi. Rien à foutre. Perte de professionnalisme ou perte de 73 000 sur les réserves militaires. Ah bah voilà, ça commence bien. Ça, c'est des événements comme on les aime. Je suis en train de marcher sur son fort, là. Alors, où sont les troupes de la Transoxiane? Là, il y a 5000 hommes. Ici, c'est pris. Hop, par là-bas, les gars. Vous occupez de ça. Ah là il y a un fort, ouais ok. Vous, bah vous allez vous mettre à marcher aussi oh bah, j'ai envie de dire. La grosse armée du Mamelouk elle a pris une claque. Ouh la vache, il y a de la flotte, l'Australie Mamelouk qui m'attaque là, ça devient violent cette bataille navale. L'Australie Mamelouk, putain la violence. Ouais j'ai quand même beaucoup de vaisseaux lourds, mais je suis en train de me prendre une dérouillée quand même. Hein. Ah j'ai plus que 7 vaisseaux lourds, la vache. Il y a les Yémen qui arrivent. Faut que je me replie, ouais. Non, faut que je me replie, là. C'est pas possible. Ah, je peux venir dès que possible. Je vais arriver, je vais ramener toute ma flotte, tu vas voir. Ils m'ont tellement défoncé mes vaisseaux lourds, quoi. Alors attends, arrêtons de faire n'imple. Il y a 59 000 Yémen qui se pointent. 33 000 Mamelouk ici, j'ai aucun général dans la zone. C'est un peu n'importe quoi.
Bah moi le problème c'est que je suis encore, moi je suis sur deux continents donc c'est chaud. Bah pas ça, il faut que je m'en débarrasse. Ouais, ouais non mais faut juste que moi j'arrête de faire n'importe quoi. Hein. J'ai envoyé mes troupes un peu à la Wallagen mais bon ils sont quand même pas si à poil que ça. Fais gaffe, tes 38 000 hommes qui traversent à Hormuz vont se prendre une rafale de Yéménites assez violente. Alors attends, ils sont où ceux qui se travaillent à Hormuz? Ah, ils arrivent? Ils sont en train de se déplacer vers Liwa, je sais pas si tu vois, c'est juste en dessous ma province à moi. Non, alors je ne les vois pas, je vais les laisser là. Je vais mettre les miens derrière. Descends, hein, je suis en train d'amener 41 000 renforts. Tu peux y aller. Pas de soucis. Il y a 33 000 mamelouks et 49 000 yéménites qui sont en train de se regrouper en fait, techniquement. D'accord. C'est marrant là, même sans les bateaux, ouais, même pas besoin des bateaux pour passer, donc ça c'est bien. Ouais, parce que ça nous appartient. Enfin, en l'occurrence à moi, mais. Tout nous appartient donc ils peuvent pas nous bloquer en fait. Ok, donc ici ils sont en train de venir par là. Bataille navale terminée. Ah merde, il m'a attaqué mes. Oh la vache, il m'a défoncé mes navires de commerce, c'est la violence. Eh mais comment il t'a fait mal aussi? Il est en train de raser nos navires de commerce. Il m'a... Moi pareil? Ah, il va te buter tes 126 bateaux là. Je crois qu'ils ont été se réparer, qu'ils sont ressortis du port juste avant d'avoir vraiment du... Ah la vache, je pensais pas qu'il avait une flotte aussi vénère là. Ouais, et il va être temps que je ramène mes gros bateaux. Ouais, je crois. Bon, t'as largement assez de troupes pour gérer pas ça, il se l'a dit. Oui, ça c'est pas le problème. Hein, donc c'est... ici, lui il m'attaque. Très bien, il m'attaque. Intéressant. Ici on va avancer là, et ici on va aller filer un coup de main. Il va y avoir une grosse bataille au Qatar, genre vénère la bataille. Genre j'ai perdu 24 bateaux, d'accord, très bien. Vous ne ressortez surtout, alors... Non, vous ressortez pas les mecs. Voilà, c'est bon, merci, vous restez là, vous réparez. Hop, l'amiral, il arrive. Ah putain, c'est tendu, arrête-toi, marche forcée, fonce. Ah, on a perdu la bataille, c'est la tristesse, il faut un commandant, vite. Ah, ils sont 60 000 les enfoiros. On peut pas passer. Ah, je vais me faire dépioter. Ah oui, puis du coup, toi t'es resté derrière, forcément. Je t'ai pas demandé d'aide. Ah ouais, faut me le dire. Hein. C'est moi. Effectivement. Si tu peux venir me soutenir sur le fort là, enfin à côté quoi, au moins pour avoir des troupes derrière. Je me suis fait déboîter deux armées. Parce que je peux pas passer par en haut. Hein. Là où tu es à El-Sétif, Al-Katif, je peux pas passer par en haut. Ouais, bah ouais, parce que j'assiège le fort, mais bon, sans blocus, ça fait mal. Fais gaffe, t'as 40 000 hommes qui vont te sauter dessus là. Ouais, bah ça va le faire. Donc je te suis. Normalement. Vous allez vous replier deux secondes. Je te suis, j'arrive. Là, ils vont tomber. Le Yémen était beaucoup plus efficace que ce que je m'y attendais en fait. Ils m'ont attaqué en traite là-haut. Putain, merde, j'ai pas vu. Ah oh, putain, t'es en train de gagner, ils sont en train de... Ah, oh, j'ai fait des putain, les enculés. Eh ouais, c'est pas si facile que ça, hein, comme... C'est qu'il faut suivre en fait, hein. Moi ça me stresse de pas savoir ce qui se passe de l'autre côté au continent. Par contre là je vais les éclater, voilà. Ici. Et le stack wipe, voilà. Comme ça que ça se passe. Merde, on a perdu un inquisiteur. Bon, en attendant la Transoxiane devrait tomber assez facilement. Alors c'est quoi ça? Oui, agitation de pays moins 2, je prends. Il me faut un puissance des missionnaires 2%. Agitation de pays moins 2. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lâcher quelque chose? Vous. Voilà, lâchez-moi ça. C'est parti. Ok, on a quand même 82 000 hommes qui tournent autour du fort là. Faut pas faire nimp. Ici, on va y aller. Pourquoi transport automatique? Ça nous appartient. On compte pas n'importe quoi. Bon, les bateaux se réparent. Il me reste plus que 6 vaisseaux lourds. La vache, c'est tellement triste. J'ai tellement fait déboîter. Ça dit, faut qu'on arrête l'épisode là. Ah bah parfait. Donc du coup on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous pourrez rire de nos déconvenues, parce que bon, on en est, c'est pas tous les jours qu'il y a des déconvenues quoi. C'est clair.
Le terrain est pas facile à faire. Hein. Enfin, comment dire. Le territoire, là, les montagnes, tout ça, c'est pas facile pour les aborder quand même. Ouais, puis en plus, comme il y a quand même des gens partout, nos territoires sont tellement immenses. Ouais, c'est clair. C'est chaud, quoi, de. C'est clair. De choper les gens, quoi. Vous allez où? Ah, mais vous pouvez passer par chez les Ottomans, très bien. Bah, ok, c'est une bonne nouvelle. Donc ici, il va y avoir une guerre, on devrait pouvoir gérer, enfin une bataille. On a 41 000 hommes en renfort derrière, si besoin. Par contre, la flotte. Oh, je sais pas combien j'avais de vaisseaux légers, mais elle s'est tellement fait dépouiller. Oh, j'ai perdu plus de 60 bateaux, quoi. Ah, la douleur. Alors. La douleur. Bon, bah, du coup, on se laisse là, on se dit à demain pour la suite. Ouais, c'est ça. Pour plus de vengeance, plus de sel, plus de sang, plus de tout. Plus de tout, ouais. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Merci à tous.